Et bonjour YouTube, on continue l'aventure. Nouveau badge, je sais pas, on verra. Ah du coup maintenant que j'ai le badge, ça fait quoi sur la Pokémon en vrai? Attends, ça veut dire que je suis pas obligée d'apprendre la CS à quelqu'un? Ah, j'avais pas vu le chibi. Oh mais c'est trop bien. Mais il n'y avait pas ça avant. Ça c'est nouveau. On ne pouvait pas faire ça avant, je crois pas. Les 16 sont sur la... Ta Pokémon, pas obligé... C'est nouveau, oui. Ah. Et de toute façon, c'était par échange aussi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Là, il n'y a pas des malotrus au nord. Ah si, ils sont là les malotrus. Je m'en souviens un peu quand même, même si ça remonte à quelques années quoi. Oh putain, les couplets mobiles en chibi, c'est incroyable. Putain, la violence, c'est violent Pokémon. Hein. Lily, t'as pas slé TP, mais c'est tellement ça. C'est terrible. Mais c'est totalement ça quoi. Mais ça craint Pokémon hein. Je suis choquée. Mais c'est trop cool le truc des TS n'empêche. Ils vont faire un truc bien dans le remake. Hein. Et ouais, première rencontre avec la Team Galaxy. Ah, je fais évoluer mes Pokémon devant eux. Regardez le talent. Sendel évolue. Oh, il se vénère quand il évolue, attention. Incroyable. Je montre à la Team Galaxy ma puissance pour la suite de l'aventure. Ah là là. Ouais, la Team Galaxy, ouais. Si j'ai bien compris, ils ont l'intention d'utiliser l'énergie miteuse libérée par les Pokémon quand ils évoluent. Mais c'est de la folie. Comment peuvent-ils croire une seule seconde que des êtres humains puissent parvenir à canaliser cette énergie? Ok, en soit, tu t'es vraiment bien battu, Lily. Merci. Je les ai tabassés pour toi, t'inquiète. Ouais, professeur, tu dis quoi? Ouais, l'évolution des Pokémon, ouais. Bah, ça tombe bien, je viens de faire évoluer un Pokémon devant lui. Pourquoi tu parles d'évolution alors que j'ai justement fait évoluer un Pokémon juste devant vous là à l'instant? Terrible. Ah. Bonjour. Ah oui, Amel. Je l'avais oublié. C'est vrai, la boîte avec les points d'interrogation, c'est Amel, je crois. Ouais, bah voilà. Ça veut dire que je vais pouvoir stocker à distance? J'ai pas tout lu, hein, mais j'ai besoin de soigner ou pas? Mais les concours Pokémon, c'est con, mais pour le coup, j'aimais bien en vrai.
J'avoue, je kiffais. Merde, je voulais voir si je devais les soigner. J'ai pas regardé. Non, pas besoin. Non, là, on avait déjà été. On avait déjà fait les dresseurs. Hop. Hop. J'avais compris comment ça fonctionnait. Je spammais jusqu'à ce que ça passe, perso. Ah, moi, je leur choisissais des tenues et tout. Quand j'étais avec mes peaufines, tout. J'étais au taquet. Oh, je suis même pas obligée d'aller sur la montre. Incroyable. Très intuitif. C'est ici que je trouve des, des lunettes. Non, non, je peux pas me souvenir. Il n'y a pas de truc comme ça ici. J'en prends un peu trop, non? Sur l'animation de l'aromathérapeute. Mais n'empêche, à l'époque, moi qui n'aimais pas jouer sur l'écran tactile de la DS, le fait que sur cette version, ils avaient mis la montre sur l'écran tactile, je trouvais ça trop bien fait en fait. Hein. C'est trop cool dans ce jeu. Je suis empoisonnée. C'est ribou quand même. Sur le bon chemin là. C'est chiant. Ouais, c'est le bon chemin. On va dans. C'est pas le bois hanté après là? C'est là qu'il y avait il y avait un manoir hanté. Ça m'intriguait de ouf à l'époque. Moi je me dis que tu es coincé, mais non, c'est juste qu'il y a un Pokémon qui arrive. Ah, on n'a pas capturé notre Serapi. Non, j'ai pas envie, je suis empoisonnée. Je suis pas d'humeur. Je suis empoisonnée là. Je sais même pas si j'ai un anti. Poison. Non, un antidote, c'est bon. Hop. Voilà. Tranquille. Tranquille, tranquille. Oh, hâte de refaire les concours Pokémon, hein, vraiment. Ça, j'étais à fond quand il fallait faire le Poffin sur l'écran tactile et tout. Hein. Pourtant, c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime bien dans les jeux d'habitude, mais là, je sais pas, j'aimais bien. Arrête de courir comme ça avec ton filet, là. Qu'est-ce que tu penses des Pokémon insectes? Je veux vraiment le savoir. Bah les poffines, faudra tourner le stick, c'est tout, hein. Comme quand tu cuisines dans Pokémon épée bouclier, en fait. Fallait tourner avec le stick, là, tu... Enfin, avec le stylet, là, faudra tourner avec le stick. Ah, je vois que ça. Logique, jusque-là, tout va bien. Tous mes Pokémon ont intimidation ou quoi?
Ah non, on va pas changer, enfin ça c'est pas qu'il y a un insecte. Voilà quoi. C'est pas 3G, Chenipot. J'adore Pokémon. On va faire ça pour attaquer les deux en fait. Ah non, c'est vrai, j'ai morflu. J'ai toujours tellement trouvé trop mime ce Pokémon, c'est terrible. Est-ce que c'est le Pokémon qui est intimide ou c'est toi? Bon, les Pokémon, hein. Pas très intimidante, hein. Là, ok, l'arbre. Là, c'est un peu plus chiant pour passer, effectivement. Non, mais... J'arrive pas à passer. Laissez-moi passer, bon sang. Ah, c'est Baudrive, le nom du Pokémon qui cherchait tout à l'heure. Ça revient. Non, parce que tout à l'heure, je parle de ça, ça me stressait. J'en ai parlé en début de live. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. 2 heures après. 2 heures après, ça me revient, ça y est. Le Pokémon le jeudi. Je me demandais s'il y avait toujours ça, mais... C'est peut-être parce qu'on n'est pas loin que j'y repense. C'est bientôt sur la droite. Aux éoliennes. Alors par contre, il était magnifique sur 3DS. Enfin, sur DS, pardon. Ah merde, j'allais dire j'espère que ça allait toujours, mais je peux pas y aller, c'est vrai. Ça, c'est une ville pour Ponce. En parlant de Ponce, j'ai commencé à regarder son let's play sur Road 96. Même le début de jeu peut être différent. C'est terrible, il n'y a pas qu'en fonction des choix que le jeu change. Enfin, par exemple, où est-ce qui s'est passé dans la disparition de Sonia avec le jeu du gobelet là? Bah lui, c'est sa première aventure. Son jeu commence comme ça. Terrible. J'adore les jeux comme ça. C'est juste les meilleurs jeux, ça. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait les planter et tout après. Oh, trop bien ça. Le Quacarosa. Ouais. Là, la musique, j'aime bien. Il n'y avait pas un lieu à un moment où on pouvait planter plein de baies aussi. Genre, on avait notre champ à nous, un truc comme ça. Échanger quoi? Ah, ah, c'est pour mettre sur mes Pokéballs, ça. Hmm.
J'en ai pas assez. On va essayer. C'est pas ça? Coller des... Ah! Comment je fais? Ah! Bah voilà! Waouh! Rod 96, littéralement un randomizer en fait. Non mais c'est ça. Mais franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Hein. Par contre, ouais voilà. Moi, je veux pas que ça aille sur sa Pokéball à lui, moi. Mais je trouve ça trop bien quand les jeux font ça en vrai. Hein. Franchement. Genre moi, j'ai eu des trucs. Alors lui, son premier épisode, il commence par des trucs que j'ai eu dans le dernier épisode limite, quoi. C'est limite ça en fait. Ouais, si je remplis toutes les cases, ouais, ça date le bordel, effectivement. On va investir dans de la super potion. Hein. Je suis riche. Je sais pas si on peut changer de vêtements dans ce jeu, j'aimerais trop, mais je pense pas. Pas abusé quoi. Putain, toutes ces fleurs. Eh, c'était classe les arbres comme ça, je kiffe. J'allais dire, elle veut qu'on aide son papa, j'ai pas osé, je me suis dit non, vas-y, arrête la nostalgie là. Ils sont trop méchants. C'est ici qu'on a Baudrive le jeudi. Enfin, qu'on avait, maintenant, je sais pas, mais... Bah, ok. Combat. Et alors, autant j'aime bien les chats, autant ce Pokémon, je l'aime pas. En plus, c'est quoi cette queue? C'est un coton-tige, le truc. C'est le miaouf de la 4G. Ça va aller, Pof Team Galaxy. Ah, Pico évolue. Incroyable. Il est déter. À chaque fois, on évolue devant la Team Galaxy. Hein. Pas contre des dresseurs random, contre la Team Galaxy. C'est pour les intimider. Bah, c'est parce qu'au début, j'ai fait quand même quelques Pokémon sauvages. Hein, faut pas trop... Mais c'est vrai qu'il n'y a plus besoin. C'est l'habitude dans les anciennes versions de faire les Pokémon sauvages, sauf que bah non. Ah oui, c'est vrai. Il a pas laissé la clé, genre. Non, faut qu'on batte les deux là-bas, je sais plus. Ah non, faut aller dans le champ là-bas, oui. Non, c'est vrai, je me rappelle. Excuse-moi, gamine. Là, j'ai de grandes attentes. Hein. C'était magnifique quand j'étais petite. Ça l'est toujours. Hein. Donne-nous tout ton miel. La Team Galaxy a besoin de ce miel.
Et j'ai un Pokémon qui s'appelle Miel dans mon équipe, c'est incroyable. Mais Pompon, quand il est venu ici dans Pokémon, il est au paradis. Hein. Non mais, tu veux m'empêcher de parler avec un chenipote? Tu me diras avec ses crétions, bon. Il y a moyen. Mais dans l'anime, pas dans le jeu. Ah oui, c'est vrai ce truc moche. J'avais oublié ce truc moche. Il est vraiment moche hein. Perturbant un peu aussi, je sais pas, ici franchement ouais. Fait peur ce Pokémon hein. Miel va prendre malédiction. Tiens, la place de croissance. Tout est dépité les membres de la Team Galaxy. Hein. À ton tour. Allez, il a quoi lui? Chaglam? Ah, douceur à petit. Il est trop mignon, Tortipousse. En vrai, je sais pas, j'avais dit que si j'avais une tortue un jour, je l'appellerais Carapuce, mais Tortipouce, c'est bien aussi. Hein. On n'a plus le droit d'avoir tortue chez nous, mais... S'il y en a une qui se perd malencontreusement dans mon jardin. La team qui se rend compte qu'elle n'a pas de bon Pokémon, hein, c'est beau. Tu dois être affaibli par le mec qui a clairement vu son collègue se faire tabasser sans trop se fatiguer. Ouais, détail. Oh, cette zone, elle est magnifique. Oh bah tiens, c'est la clé. Oh bah mince alors. Oh non. T'es hurluberlu. Là, ils avaient cherché les noms dans Pokémon, là. Ah, on a un pot de miel. Oh, j'adore. Je trouve ça trop beau. C'est trop beau, franchement. Trop beau. C'est difficile de pas remarquer les fleurs ici. Hein. As-tu remarqué les fleurs? Oh non, où ça? Oui, je vais étaler du miel sur l'arbre. Faudra que je pense à revenir, quoi. L'arbre est couvert de miel. C'était ma plus grande attente dans le remake, hein, ce champ de fleurs.
Pour de vrai. Ça va. Je suis satisfaite. Allez, maintenant on a la clé, on peut aller là-bas. C'est con, hein? Je suis un professionnel, il a dit attention, attention. Il fait pas dans la dentelle, t'es un professionnel. Déjà, il a voulu faire une rime. Grand poète, la Team Galaxy. Professionnel avec ce Pokémon. Ouais. Si tu veux. Ne reproduisez pas ça chez vous, les enfants. Terrible. Waouh. Non, Carly. Non, non. Parce que c'est la Team Galaxy, tout ça. Non. Non. Pourquoi? Ah, Carly va prendre coup de boule. J'ai même pas eu l'occasion de jouer avec Bidouf, plus triste. Enfin si, avec Bidouf versus Bidouf, quoi, mais... T'as dit le 15. Je sais. Ah non, mais je veux pas éviter le combat, moi. Moi, je veux tous leur rouler dessus là, avec leur chenipote. Allez, meurs. Ça glame, attention, ça rigole plus là. Au secours. Pop, ça glame. Mais la Team Galaxy, je mets bien en vrai. Bon, mis à part leur coupe de Playmobil, quoi, mais... Mon dieu. Ça fait bizarre, en chibi, là. Oh non, mais pourquoi? Bah non, je comprends pas, non, non. Donc là, Pokémon te dit, si tu comprends pas, c'est pas grave, battons-nous et ce sera bon, en fait. Bagarre. Ça fait beaucoup moins crédible, mais tellement. Oh putain, la ligue Pokémon en chibi, elle va être incroyable. Non, mais je redoute tellement Cynthia. Pas pour son combat difficile, mais pour mon côté chibi. Pas Cynthia, quoi. Putain, Cynthia, je la kiffais tellement. Je la trouvais tellement classe.
Alors, c'est elle qui me rend conflit, elle me dit qu'est-ce que tu fais à mes Pokémon? Non, je vais pas changer. Il est magnifique. En vrai, il est plus classe que sa sous-évolution. J'ai envie de le paralyser, mais je sais même pas si ça peut en fait. C'est chiant, chapreux. Aïe, c'est quoi ce critique? Non mais oh, va se calmer le chapreux là. Non mais... Tout le monde a level up sauf Carly. Non. Tu peux pas suivre le mouvement en fait. Tu peux pas faire comme tout le monde. Bah on, comme ça, on continue d'évoluer devant la Team Galaxy. Hein. Autour de Miel d'évoluer. Je l'adore. Regarde comme je suis puissante. Non mais on dirait, et je le fais exprès. À chaque fois que j'affronte la Team Galaxy, j'évolue devant eux, quoi. Regarde comme je suis puissante maintenant, regarde comment je deviens encore plus puissante. Terrible. Oh, comment je les nargue, en fait. Ouais, ouais, pour créer un monde nouveau, ouais. Mais du coup, le monde de distorsion qu'on a avec Giratina, c'est que dans Platine. Et ça, c'est dommage qu'on l'aura pas ici dans le remake, parce que franchement, le mode distorsion, c'était un truc de fou. On l'aura pas comme ça dans, je pense pas, je sais plus, dans la version normale, comment c'est. Burf, papa, tu sens mauvais, bah sympa. Parce qu'en vrai, je kifferais voir le monde distorsion comme ça et tout dans... dans le remake. Ça m'était trop mal à l'aise quand j'étais ado. Ah, le Pokémon ballon, Baudrive. Je dis, hein. Apparaît chaque semaine devant. Eh, mais ils l'ont gardé vraiment, en fait. Ah, mais ouais. Oh, mais c'est trop bien. C'était le jeudi, je crois. Je suis plus sûre, hein. Ça se trouve, c'est pas le jeudi, hein. Je me trompe. Bon, là, je peux aller là-bas, mais je vais me soigner avant. Dire depuis 2006, je me trompe sûrement, quand même. Depuis 2006...
Allez, petit combat. Un Ponyta. Pas mal. On va peut-être changer de Pokémon, quoi. Ah là là. Bah, j'ai pas grand chose contre un type feu en vrai. On aurait dû capturer Magikarp. Hein. Non, mais j'aimais bien prendre Mustevoué. Mais par contre, de mémoire, il était chiant à jouer parce qu'il mourait vite. Pas très résistant, Mustevoué. Maintenant, il a pas encore d'attaque sol. Pour l'instant, que des attaques plantes, pas ouf. Non. Elle a incroyable l'attaque Mimico de Ponyta. Tu m'as démotivé. Oh. Dire cette feinte, pas du tout. Oh, c'est vrai, je kiffais trop la musique des montagnards dans ce jeu. Je la trouve incroyable. J'aime trop. T'avais oublié, mais elle est exceptionnelle. J'avais jamais fait gaffe à ces musiques. Ah si, mais moi dans cette version, j'avais bien aimé. Hein. Et c'est vrai que ça m'a marqué celle-là. Mais sur le coup, j'y pensais plus. Mais à l'époque, je la kiffais de ouf. Mais je trouve qu'elle va tellement bien en fait avec les montagnes. On dirait le grand-père de Heidi quand même. Ouais non, enfin là Heidi c'est trop vieux pour. Ouais non. Non non mais non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, mais non mais là. Ouais, Heidi t'as fait mal quand même. Enfin, deux noms vous connaissez quand même. Je pense. Oh, il a un queue notoire. Faut que je raconte un montagnard pour la musique. Miel qui est relevé l'œuf là.
Mais là, c'est... Il y a un montagnard! C'est pas la meilleure musique. C'est juste la meilleure musique du jeu. Je compte vraiment pas vite d'XP, c'est vraiment maintenant, mais j'avoue, franchement. Faut trop que je mette cette musique en alerte de quelque chose. Léger le montagnard. C'est un prénom léger, vraiment? Ça existe? Non mais après tu seras peut-être autre chose qu'un Kenotaur, hein. C'est juste que pour l'instant, bon, je croise pas de Pokémon. Maintenant j'ai perdu mon chemin et mon combat. Le pomme. Mais c'est pas genre la bonne route là, je sais plus. Ah non, quoi que je peux y accéder par là-bas aussi. J'aime les Pokémon qui sentent bon, ok. Grotanemorph, c'est mort quoi. Le pauvre. Bon, et puis lui, il sent pas encore là. Mais ouais, j'avoue, parce que tout le monde a pris plus ou moins les mêmes niveaux là, mais par contre, Bidouf. Bidouf, il suit pas le mouvement. Hein. Faudra vraiment qu'on trouve d'autres Pokémon. Hein. Oh putain, mais ça veut dire que je vais galérer si je fais le Bidouf challenge. Oh, ça va être. T'as vu comment il sentait bon au Pokémon? Bah non, non, si je regarde, je vais pas savoir. Faut que je le sente, c'est pas pareil. T'étais obligé. Il y a une petite plateforme avec absolument rien dessus, il y avait forcément un truc invisible. Il a la même coupe d'XP que Lixi d'ailleurs. Bah, c'est pas possible. Lixi l'a suivi tout le monde. Je l'ai capturé niveau 3 aussi, Lixi en plus. Il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Oh, pas Chirinou. Ça pourrait trop être un personnage d'Animal Crossing. Ou Happy Tree Friends. Je le vois trop en personnage Happy Tree Friends. Ça va être long. Hein. Regardez comme il est mignon.
Mais il a un regard de fourbe en vrai. Oh putain! Carly évolue. Il évolue si tôt, pourtant il a qu'une seule évolution. Ah non, il en a deux. Attends, non. Je... Ah putain, il en a... Non, non, il en a qu'une. Il était comme ça, je me rappelais. Non, il a une autre évolution encore. Parce que je la voyais pas comme ça, l'évolution finale. Hein. Je sais plus. C'est un Pokémon que j'ai jamais joué en vrai, donc... Ah, je le voyais comme ça, donc en fait, non, c'est bon. Là, comme ça, assis, ça me parle. Ça... Ah, mais il y a tellement ce regard de vainqueur là. Ça me perturbe comme ça en vrai. Moi je le vois pas. Ouais, non, c'est ça seul. Non, mais moi c'est pas ça le problème. Hein. C'est que là, à quatre pattes, non, tu vois. Mais il a une bonne tête de winner. Ça, c'est important quand même. Je vais tellement chier si je me décide à faire ce bidouf challenge, mon dieu. Ça y est, je vais cracher de l'eau. Ça aurait été utile face à Ponyta. Soit... Ah là là. Faut que j'arrête d'appuyer sur B vraiment par contre. Hein. Ça devient gênant. Hein. Pas besoin. Pour la prochaine fois. Elle est vénère. Elle m'envoyait quoi, elle? Ma choc. Ouais, bon. Ouais. Effectivement. C'est un peu cliché. Hein. On va faire comme si c'était rien passé. D'ailleurs après faut que je fasse mes miniatures, hein. Faut pas que je les mette en ligne les Pokémon là. Elle est pas sûre, pas trop sûre de vouloir faire un combat. J'essaye plus de deviner qui ils envoient, c'est mort. Oh non, ouais. Oh mais pauvre petit plouf, il va prendre cher. Il est si mignon. Et il va tellement prendre cher. Le pauvre. Le pauvre.
J'arrivais pas à lui parler. Tout va bien. Vous êtes timide. Ah, ça voulait pas. Non, fais pas ça. Oh, j'avais pas envie de refaire le chemin. C'est vrai qu'il y avait une feinte, on pouvait passer là après avec coup. Bah, continue, mais voilà. On a le temps d'y aller, on a le temps d'y aller. Enchantée, ça va. Faut pas avoir peur de la Team Galaxy. Oh. Vous décidez d'accompagner Sarah? J'ai rien décidé du tout. J'ai pas eu le choix. Vous décidez, que dalle. Je décide, tu déciderais, j'ai l'impression. Ça m'aide tellement. À l'aide. Genre même pas un dialogue, mais c'est ça. Je peux même pas mettre non en mode oh mais t'es sûr machin, puis elle vient quand même, tu vois. Oh la pareille. Et à l'époque, je crois que vous pouvez pas capturer quand on était avec elle. Là, je sais pas si on peut, mais c'est juste pour attaquer les deux. Après, je m'en fous. Non. T'as oublié que la pourrée faisait trompette. Ouais. Ouais. Je pense que je peux pas le capturer ici. Ouais, quand il y a plus de... Ouais, ok. Mais ouais, faut que j'arrive à tuer que l'autre, quoi. Mais avec le vénard... finit les deux. J'allais dire, j'avais peur qu'il lui laisse un PV, quoi. En mode, bon, on relance un tour. Et la miniature de Castorno. À l'aide. Ah, je peux pas appuyer sur B pour faire ça, trop nul. Non mais c'est le bon chemin là. Moi j'ai pas le bon chemin. Je sais plus en fait. Bon y'a pas ouf hein. Ah c'est pour avoir... Oh c'est vrai. C'est vrai que c'était dans cette version Filali Gibrali. Et que j'arrive jamais à me décider parce que j'aime tellement les deux. Mais je vais toujours pas réussir à me décider. Hein. Et c'est Amel qui nous donnait Voli en plus, je crois, je sais plus. Quand on arrive à Volucité. Ou quelque chose comme ça. Oh. Ça va être encore très dur de se décider du coup. Hein. Je crois que la première fois que j'y ai joué, j'avais pris Gibrali, donc peut-être prendre Filali pour compenser quoi. Sondage sur Discord, let's go. Non mais sur Discord on est genre 75, il y en a que 4 qui votent et je fais partie des 4. Hein.
Je me demande pourquoi les gens sont encore sur le serveur du coup. Je ping pardon tout le monde. Terrible. Dans le sondage pour Pokémon ou Mario Kart là, il y avait un Mario Kart, c'est moi pour faire le enfin l'emote, on va dire. Puis après les autres pareil dans l'autre. Tout le monde a 50 000 serveurs, donc forcément. Mais on n'est pas limité en nombre de serveurs. Il n'y a pas un truc comme ça quand t'es pas en payant. Je sais plus. Ah, par contre, quand ça va parler giveaway pour Noël, là, il va y avoir du monde. Hein. Là, bizarrement, tout le monde va le voir. Sauf que si je refais un giveaway pour Noël, ça marchera comme pour devenir un Pokémon avec des points de chaîne, mais non. Je mettrai pour tel nombre de points, points, tickets, voilà, pour participer. Et, Hop. Le deuxième vénère qui arrive. C'est violent Pokémon. Ils arrivent à deux sur toi là. Oh stylé. Miel, on ne l'arrête plus. Hein. Il n'y a pas de jaloux, au moins ils sont morts tous les deux en même temps. Hein. Ah, il y a une Pokéball. Yes, trop bien. Ça, je sais, je suis sur 33 serveurs perso. Je sais pas, il me semblait avoir entendu parler de ça une fois. Mais bon, tu vas voir, hein, à Noël. Parce qu'à Noël, j'ai envie d'essayer de vous faire gagner quelque chose quand même pour Noël, quoi. Tu peux être sûr que là, comme par hasard, tout le monde le verra. Ça va être comme la carte e-shop que j'ai faite gagner. C'est pour ça que maintenant, ça passera avec des points de chaîne. Pour réserver son ticket, comme ça, ça voudra dire qu'il faudra être un petit moment sur le live quand même pour obtenir ce ticket de participation. Ça me paraît le mieux en fait. Pour être sûr de faire gagner quelqu'un qui est quand même là un peu plus régulièrement. Bon, puis on n'est pas beaucoup, je ferai un tirage au sort papier. Hein. Je mettrai vos noms sur un papier dans mon chapeau, puis voilà. Son cri me perturbait à ce Pokémon quand j'étais plus jeune, mais toujours en fait. Hein. Ça me perturbe toujours.
Bon, si je fais un truc comme ça, je sais pas combien de points de chaîne le mettre par contre. J'ai aucune idée de à quel point ça gagne des points de chaîne sur un live. Je suis jamais assez longtemps malheureusement sur des lives pour voir comment évolue le nombre de points de chaîne. Surtout en tant que non-sub ou quoi, le peu de live que je vois, je suis sub dessus donc... J'ai le petit bonus à chaque fois là. Il est vraiment laid, Papinox. On avait Papillusion, puis après t'as ça, quoi. Ah, je vous ai dit, dans Pokémon, ça joue le physique. Non. Mais Papinox, il est dégueulasse. Ils ont perdu, c'est triste. Oh. Ah, Pokéball. Mais... Tout ça pour ça. Ah là là, coup dur. Non mais non. À l'aide. Oh. Je voulais tester un truc. On peut jouer au stick et au pad. Incroyable. Ouais, mais je veux pas aller sur le bon chemin, moi. Y'a pas de Pokéball. Non, mais on peut jouer au pad, incroyable. Mais du coup au pad on court pas. Je vais essayer mais en dehors des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, des hautes herbes. C'est pas Animal Crossing. Quand il y a de l'herbe c'est pas forcément mauvais. Bon. Ah ouais, puis là je marche. Là je peux pas courir. Oh, et là quand j'appuie sur B je cours. Avec le pad. Là, en appuyant sur B, ok. C'est incroyable. En vrai. Là, c'est comme à l'époque. Comme à l'époque, quoi. T'appuies sur le pad et B pour courir. C'est tout pareil. C'est trop bien. Ah là là. Oh, Psycho Quack. Mais je veux pas faire du mal à Psycho Quack. J'aime trop ce Pokémon. Enfin, faut croire que j'aime les Pokémon qui ont des têtes de winner. Entre Bidouf et Psycho Quack. Terrible. Mais c'est du génie, avec le stick tu cours automatiquement, avec le pad tu marches, mais si t'appuies sur B c'est comme à l'époque, tu cours. C'est ouf, hein. Franchement je kiffe. Je... Très joli concept. Franchement pour le coup... Hop. Enfin, ce duo de Johnny Pot. Moi c'est juste la manière dont j'ai la manette en main, c'est plus pratique de jouer au stick quoi, mais... Ce manoir, tellement intriguant.
De rien, Sarah. Voilà. Voilà, et c'est ici qu'on va s'arrêter pour la VOD YouTube, après avoir traversé cette forêt. Et donc, je vous fais des bisous YouTube.